Salut, bienvenue, c'est Clémence Robert. Je me regarde là-bas, j'ai l'air d'une teubée, on dirait j'ai les yeux, genre je louche comme ça, genre oh, c'est Clémence Robert. C'est okay. Ça fait combien de temps que t'es là? Premier test sonore, est-ce que vous m'entendez? Eh oh, eh oh, on rentre du boulot, est-ce que tu m'entends? Eh oh. Salut toi, est-ce que tu te poses la question pourquoi je ne porte pas de masque? Est-ce que je suis une rebelle? Non, c'est parce que je suis aux Pays-Bas. Et je suis en train de marcher en reculant dans une petite rue. Klein Highland. Je le prononce très très mal. Klein Eilichland. Merci Eleonore. Oui, parce que Eleonore est la seule personne qui accepte de vlogger avec moi. Et comme je suis allée la voir quelques jours, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Alors, amuse-toi. Bon alors, on vient d'avoir une super idée. Il faut bien regarder l'objectif à gauche. Mais en fait, mon téléphone qui est nouveau fait des super plans. Ah, ce petit soleil, bonjour. Ouais, c'est très très beau. Là, il y a un petit stand pour acheter du hareng. Parce qu'ici, il manque beaucoup de hareng. Alors, je voulais vous montrer le stand de hareng, mais il faut quand même que j'aille vite. Parce qu'en fait, sinon, les gens vont se dire que je les filme. C'est très compliqué. Oh là là, est-ce que vous allez avoir la gerbe en regardant ce plan très vite? Mais c'était pour vous montrer la ville, jolie. Bonjour, là, il y a Eleonore. Il y a le sapin de Noël. C'est quoi? C'est une cathédrale? Une basilique? C'est une cathédrale, pour l'interrogation. Bon, nous sommes actuellement sur la place du marché. Il n'y a pas le marché, pas parce qu'il y a le Covid, mais parce que c'est pas le jour du marché en fait. Ouais, le marché c'est demain. C'est juste voilà. Pas le jour du marché, très bien. Bah, écoutez, c'est joli, en vrai c'est très charmant. Très. Je veux dire que là il y a un ciel bleu de ouf et c'est pas tout le temps le oui. cas. Oui, clairement, le soleil me sourit enfin après un semestre difficile. J'ai l'impression que dans toutes mes vidéos je vais dire que j'ai eu un semestre horrible, mais c'est un peu la vérité finalement. Et donc ça fait plaisir de juste être là. Et ah oui, et j'ai fait un test PCR parce que je précise, aux Pays-Bas ils demandent de faire attention et de rester confiné, mais j'ai fait un test PCR en arrivant, donc tout va bien. Je l'ai fait moi-même, genre j'ai fait et ça faisait très mal. Et mon dieu, c'était vraiment pas très agréable. Et j'arrive pas à ne pas regarder la caméra, je sais pas où regarder. J'ai envie moi, de me regarder regarde moi. Moi-même, ouais, c'est ça. Coucou le chat. Allô? Est-ce qu'il faut dire allô pour le chat ici? Il dit hi. Il dit hi. Oh, Chanel me manque. Chanel me manque terriblement. Et la vraie question, c'est qu'ici on est confiné, donc on n'est pas censé sortir. Oh! Non, c'était tout. On voulait vous faire entendre les cloches, mais en fait, il y a eu une cloche. On est sorti parce que, en fait, on va aller chercher du poisson qui est une espèce de spécialité ici. Oui. C'est des petits morceaux de poisson frit dans un petit stand de poisson, un peu comme on a vu celui-ci, mais plus près de la maison. Et on va faire tester ça à Clémence. C'est délicieux. Du poisson frit, ça ne pourra jamais mal tourner, je pense. Fascinée par ton talent pour cligner des yeux quand même. Donc là nous sommes en train d'attendre le poisson frit puisqu'il est fait de manière fraîche. Ouais. Et j'ai très faim. Bon, on n'a pas encore enlevé les masques mais c'est parce qu'on est en train de porter ces merveilleux trucs de poisson, faut quand même le noter. Ça a l'air délicieux. Ça sent très bon. Ça sent très très bon. C'est fait à la minute. Grave. Ah, le bon vieux trafic, il faut que je parle très très près de la caméra pour que vous m'entendiez. Mais bref, on a très hâte. Avec du petit butternut, ça va quand même être fameux cette histoire. Et encore une fois, j'ai continué de me regarder, il faut que je regarde par là. Oh, je vous regarde, je sais qui tu es, je sais où t'habites. Les gars, il faut que je vous parle de ça. Des petits vermicelles de chocolat au lait. Vous voyez, Vincent Van Gogh à côté de ça, c'est vraiment nul. Bref, mangez ça. Bon. Ah oui, on va traverser, ah. Faut pas se faire écraser, faut pas se faire écraser. Mais si, ce plan est magnifique, j'en vois de quoi tu parles. C'est pas légal, Clément, de faire ça. Si, c'est très légal. Bonjour. Le test PCR visuel. Bon, Eleonore, tu m'avais prévenu qu'il y avait des sculptures moches, mais enfin quand même, là, c'est très intense. On va dire par conceptuel. C'est l'allée des sculptures moches. L'allée des sculptures particulières. Effectivement, une autre sculpture pas terrible. Particulière. Mais des vélos, ça c'est joli, le plan était joli, dommage qu'il y ait la sculpture moche d'abord. Bon. Où va-t-on, Eleonore? Eh bien, on va au jardin. On va dans un parc qui est genre... Attends, si on te met le plan comme ça, c'est mieux. Qui est à 10 minutes même pas du centre-ville et à 5 minutes de là où on habite. C'est un assez grand parc où dedans, t'as une espèce de petite ferme avec des chèvres, des petites biquettes, des lapins, des oiseaux et des poules et tout. Bon, c'est fermé. Je suis en train de faire un zoom sur les lamas quand tu racontes ça. Par exemple, les musées et tout sont fermés, donc c'est normal que les activités... Je n'ai pas enlevé le zoom. Euh...
C'est mignon quand même, hein. Trop mignon. Ceux qui sont venus avec les petites taches là-bas, là. Non. Je sais pas trop quoi filmer. Je filme les petits bambis. C'est apaisant un peu, non? Ouais. Retrouvez sur la chaîne YouTube de Clémence la semaine prochaine, une heure de Bambi. 5 minutes à faire le plein depuis à peu près 5 minutes et il y a toujours des voitures qui passent. C'était juste pour montrer le fabuleux nom du coiffeur. Et Léonard, est-ce que tu peux le lire? Copyright. Excellent. Copyright. Galette. Galette. Hein? Non mais c'était quoi ta question? C'était intéressant. Je suis pas sensible à l'architecture d'une église. Parce qu'on parlait des vues, tu n'es pas sensible aux vues, aux panoramas, à des choses comme ça. Donc ma question c'était parce que du coup, là par exemple, voir l'église, le gros truc, là, les pierres et si, c'est joli. La hauteur, ça t'impressionne pas? Si, c'est joli, mais ça m'impressionne pas. Je suis rarement émue par des trucs que je vois. Genre, je sais pas comment expliquer. Qu'est-ce que tu décris? Alors qu'est-ce qui t'émeut? Qu'est-ce qui m'émeut? Je sais pas, un film, un truc, un pro. Oui, mais d'accord, mais moi je te parle l'architecture, la nature, un truc qui. Moi par exemple, je trouve que c'est. Ah, enfin, c'est pas que ça m'émeut, genre je pleure, mais je trouve que tu vois, voir l'architecture, une vue. Et tout. La grandeur à vélo, tu vois, c'est genre, ça te dépasse humainement, toi, ta taille. Moi, ma taille d'1m58, par exemple. De voir ouais. Un grand truc comme ça construit. Non. Mmh. Pouce en l'air, c'était mis par l'architecture. Ouais, grave. Et pouce en bas, sinon, mais non, pas non, pouce en bas, jamais. Dame Carcasse, vous ici? Encore moi. Mais Dame Carcasse? Oui. On fait une balade en vélo? Il y a beaucoup de voitures. Mais je voulais développer cet argument de ne pas être émue. Ça veut pas dire que je suis pas contente de voyager et de voir de nouvelles choses, rien à voir. C'est juste que je vais pas arriver et faire genre waouh! Et genre, faut pas se dire que c'est pas sympa de pas me faire visiter. Tu es ravie de me faire visiter même si je suis pas en mode waouh! Oui, non, mais de toute façon, pour aller voir les vues, c'est souvent payant. Donc, moi, la vue, je l'ai déjà vue, voilà. Elle est bien. Si toi, si tu veux pas la voir, c'est pas. Je vais économiser de l'argent à tout le monde, on est tous contents. C'est quand même joli Venise, hein. Ouais, j'adore. La pizza en plus est super bonne ici. Les cheveux qui gâchent le plan, c'est magnifique. Ça fait littéralement 20 minutes qu'on marche parce que je veux faire une blague. Donc c'est parti pour la blague. Et on va refaire le truc du vlog parce que ça fait très vlogueur. Attends deux secondes, non. Je te coupe tout de suite. Est-ce qu'il n'y a pas un filtre lissant par hasard sur ta caméra? Et alors pour le coup, j'ai pas fait attention. Non, on voit mes boutons, ils sont là. Parce que de loin, regarde comment ma peau a l'air blanche, parfaite et sans tache de rousseur. Alors que là, j'ai mes cernes et j'ai de la pigmentation. Tu vois, regarde, hop. Ceci sera dans le vlog, t'es au courant, hein. Ouais, mais je dénonce. Clément, c'est le filtre lissant. Non, je savais pas. Elle va montrer le grand air. Je savais pas. Voilà. Donc, Allez, du coup, on referme la blague. C'est parti. Merci le coronavirus de ne pas fermer tous les commerces essentiels. Allez, on va fumer un petit truc. Ceci est une blague dédiée à ma mère. J'ai mal fait, non? Ah oui, attends, faut qu'on explique. Comment on est arrivé jusque là? Après une bonne journée de marche, on a décidé de faire du sport parce que les gens qui nous croient pas ont fait du sport et en plus c'est pas une question de nous croire pas. Et donc du coup, j'ai toujours voulu vous filmer un peu comment je faisais mon sport parce que je trouve que des fois on est très ridicule et je trouve que c'est le moment parfait. Ça s'insère parfaitement dans ce vlog Harlem, voilà. Donc amuse-toi bien. Et en plus Clémence elle fait la belle parce que j'ai prêté mon haut noir et elle a gardé son maquillage. Ouais, moi j'ai gardé mon maquillage, moi, jamais je vais pas avec mon maquillage. Ça marche.
Alors, cette vidéo avait beaucoup plus de sexy move que d'habitude. J'aime pas trop danser sexy, tout ça. Mais c'est bien parce que je trouve que... on danse plus à cause du confinement et qu'on sort pas. Et vive les boîtes de nuit. On n'y pense pas assez. Pas dire le monde de la nuit, mon soutien. Force et courage. J'allais dire que... Rouvrez dès que possible. Faire du sport et tout. Je ne laisse pas de leur parler, vas-y. En fait, souvent quand je commence les vidéos de cette meuf, on fait de la danse. Au début, j'ai un mood trop genre pourri. MK Fit, d'ailleurs. MK Fit. MK Fit. La best. On t'aime. Et je commence les workouts et tout. Et genre, soit j'ai une journée pourrie ou je suis genre dans un mood un peu genre, je vais faire du sport et tout. Mais ça va me faire aller mieux. Et ça marche. En effet, à chaque fois que je termine le workout. Tu bailles? Je baille. On baille parce qu'on est détendu. C'est vrai. À la fin, je danse beaucoup plus détendu qu'au début de la vidéo. Je passe ma meilleure vie. Et après, genre, ça va beaucoup mieux, quoi. Bon, on est là. On a survécu au sport. Petite douche. Petite douche, important. Douchez-vous. Petit étirement. Oui, on est là avec notre petite salade d'endives. Mais surtout, le clou du spectacle. Waouh. Cette pizza, elle a l'air tellement bonne. Et Léonore, est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous dire ce que t'as mis dedans? J'ai mis du concentré de tomate en fonte de pâte, la mozzarella, des champignons frais, un oignon rouge frais également, des petits morceaux de fromage à la truffe, des olives de calabata et de l'origan. Sur ce, on vous dit à demain. On va se ressourcer, boire un petit pot de vin blanc pétillant, manger une bonne pizza. Et on se retrouve demain pour un sandwich au hareng, fondu vers le sandwich au hareng. Bonjour, nous sommes de retour dans la rue. J'ai le gilet d'Éléonore, le manteau. Mon manteau qu'elle m'a volé. Oui. Là on est en route, on voulait aller acheter des harengs tout de suite mais on n'a pas faim. Donc en fait on va aller voir un moulin. Le moulin de la ville. Mais... Dame Carcasse ? Qui est Dame Carcasse? On ne la présente plus. Dame Carcasse est un personnage fictionnel de l'univers Clémence Robert, du multiverse Clémence Robert, qui a été découvert dans le vlog Carcassonne. Si tu ne l'as pas encore vu, va voir le vlog Carcassonne. Je vous le conseille ardument. Et c'est même Dame Carcasse qui le dit. C'est Dame Carcasse qui vous le conseille. Bienvenue à la manifestation non violente et silencieuse des mouettes d'Harlem. Nous en avons marre d'être mal considérés. J'attends mes copines. Nous allons faire une manifestation silencieuse et nous allons marcher jusqu'à la place du marché et manger les morceaux de pain que les gens vont nous lancer. On arrive au marché, c'est très mignon, il y a plein de monde. Et le sapin qu'on a vu hier, mais il est illuminé. Cette fois-ci, il y a la petite cathédrale qui a fait du bruit juste à l'instant. Et on va aller chercher les petits sandwichs au hareng. Alors pourquoi on voulait manger un sandwich au hareng? Enfin pourquoi je voulais manger un sandwich au hareng? Parce qu'en fait, chez les Ashkénazes, on mange du hareng à peu près à toutes les occasions. Et c'est toujours un filet de hareng avec des oignons blancs. Et là en plus il y a des cornichons, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et donc voilà, j'avais juste très envie d'en manger. À la vôtre, bon appétit! Parfait. Parfait. Bon, Mathieu veut absolument que je goûte une fricadelle. On va voir ce que ça donne, hein. C'est une saucisse frite. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Moi, je suis pas très fan de viande en général, donc je passe mon tour. Voilà, on va voir. Alors, déjà, appréciez la bonne musique. C'est une heure qui vlog et qui fait des plans beaucoup trop rapides. Si vous avez la gerbe, vous savez qu'il faut le devoir. Hein. Et voilà, et donc on va rentrer à la maison, tranquillos, et manger tout ça. Clémence Robert react to la fricadelle, c'est parti. Déjà, niveau visuel, je mettrais un 3 sur 10. C'est clairement juste un hot dog sans pain. Oula, ça ressemble pas à une saucisse. On dirait du pain à l'intérieur. Mais qu'y a-t-il dedans? Mais c'est pas mauvais, hein. C'est une saucisse avec du ketchup, la mayo et de l'oignon. Enfin, je vois pas comment ça pourrait être mauvais. C'est Dame Carcasse qui vous conseille. On a l'air si fatigués. On a l'air si fatigués. Et tu sais pourquoi on est si fatigués? Oui, tu sais, puisque tu viens de le faire avec moi, mais c'est eux qui ne le savent pas encore.
On vient de tourner une vidéo, ça nous a pris 2h30. On espère que le résultat vous plaira. Le résultat ne vaut pas 2h30 du tout. Et on ne va pas s'autoriser à dire qu'on est déçus. Puisque de toute façon, on vous laissera avoir cette déception tout seul, hein, finalement. On ne vous en dit pas plus. On ne vous en dit pas plus. Il est l'heure du goûter. Si pour toi aussi, la pause goûter, c'est sacré, mets un commentaire. Ou abonne-toi. Parce que ça, en fait, c'est la fin du vlog, donc en fait, abonne-toi, mets un commentaire, lâche un like, fais ce que tu veux. Partage sur Facebook, parce que agrandissons ma notoriété, déjà 92 abonnés. T'as compris, c'est fini. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne journée, une bonne après-midi. Une bonne année. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Terrible.